Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, vous êtes avec la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Comment allez-vous? Quel beau dimanche que nous avons entre nous. Eh bien, nous vous souhaitons vraiment une agréable émission, un très bon spectacle que vous allez voir. Nous recevons pour vous aujourd'hui Nerland Gaëtan, n'est-ce pas? Nerland Gaëtan Civil. C'est son nom. Probablement que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je parle des gens d'Haïti. Pour ceux qui sont aussi liés aux États-Unis, parce que Nerland, que je salue d'abord, qui va vous expliquer qui elle est, pour ceux qui la connaissent pas encore. Donc, Nerland, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir à la télévision haïtienne de Montréal. Et j'espère que les gens passent effectivement un très beau dimanche et qu'ils vont passer un bon temps en notre compagnie, qu'ils ne vont guère s'ennuyer durant notre rencontre. Alors, mesdames et messieurs, mon nom c'est Franz Mars, toujours Franz Mars, l'animateur de cette émission, de cette télé à votre image. Alors, Nerland, je commençais par expliquer qui est Nerland, mais je te laisse le soin de dire qui est Nerland. C'est assez difficile de dire qui est Nerland. Je n'aime pas trop parler de moi, mais si on retourne en Haïti, comme vous pouvez le remarquer par rapport à mon accent et tout, je ne suis pas du tout née ici au Québec. Je viens d'Haïti, natif natal. Je suis née dans le sud, une Torbécoise, comme on pourrait l'appeler. C'est pas québécoise, mais je viens de Torbec, donc je suis une Torbécoise. Et j'ai grandi à Port-au-Prince avec ma mère. Je suis une enfant qui adore la lecture d'abord et une enfant très, très réservée, mais qui est très talentueuse d'après ce que découvre ma tante et qui m'envoie danser et qui décide en dansant à l'église catholique que je vais danser avec les enfants. Et de fil en aiguille, j'ai une autre tante qui dit « Ben, Miss Idomax, c'est fait pour toi ». Voilà comment la petite fille qui se cachait en plaine se retrouve dans le grand monde de Port-au-Prince et d'Elma et qui ne sait absolument rien. Première édition 2004. Je participe et je sors parmi les 5. Et là, tout le monde dit, mon Dieu, elle sort de nulle part, cette enfant-là. Et de nulle part, je voudrais savoir, a priori.
Et cette enfant-là, Néerlande, très jeune, elle était dans quelle école? Elle a fait des études? J'ai été au collège Le Normalien pour, mm-hmm. pour mon secondaire et au primaire, c'était à une école à Sartre, en plaine. Mm-hmm. Donc, une école pas vraiment très connue, mais au collège Le Normalien avec Madame Bright, Monsieur Bright, Tony Bright. Donc, c'est-à-dire que j'ai été plongée très tôt dans le théâtre. Mm-hmm. Chaque année, à la fête des philosophes, à la fête des enseignants, Madame Bright me mettait sur scène. Donc, il fallait que tout ce qui était de Corneille, je devais mm-hmm. chanter, danser. Donc, je pense que j'étais timide parce que j'aimais beaucoup la lecture. J'étais surtout une enfant intimidée, qu'on l'appelle ici au Québec. Peut-être oui. En Haïti, on dit « y a fauché » ou… Mm-hmm. Mais les enfants ne savent pas quel est l'impact que cela a sur l'autre enfant qui subit les conséquences. Je le répète souvent à mes enfants, je suis maman de 5 enfants. Vraiment? J'essaie, aussi je prends jeune, mon temps. Aussi jeune. Je prends mon temps quand enfant. Je le dis parce que les gens, ils font le saut. Enfants ou adultes, ils font toujours le saut. Mais en fait, avoir 5 enfants, c'est qu'on aime, les enfants. J'aime les enfants parce que plus tard, je vais vous parler un peu de mon parcours en tant que journaliste aussi. J'ai travaillé aussi dans le domaine. Mm-hmm. Donc, j'adore les enfants. Même ma carrière ici au Québec a démarré avec les enfants. Donc, j'ai toujours mon âme d'enfant. C'est ce que dit mon conjoint. D'ailleurs, j'aime rire. Mm-hmm. La moindre chose me fait rire. C'est ce qui me fait garder mon âme d'enfant. Mm-hmm. C'est ce qui m'a permis aussi de passer à travers beaucoup de choses. Mm-hmm. Je suis une enfant qui a vécu dans la violence toute ma vie. Mm-hmm. Ma mère a été une femme battue. Qu'est-ce que vous entendez par violence? La violence conjugale. La violence conjugale. Ah, oui. Bon? J'ai vécu toute ma vie la violence conjugale. Je pense que je suis allée me cacher dans les livres. Mm-hmm. Ma mère n'avait pas beaucoup d'argent, donc j'ai été une enfant rejetée. Je ne porte pas le nom de mon père. Ça, c'est la première des choses. Donc, je porte le nom de mon grand-père, mm-hmm. qui a 90 ans aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est touchant. Hein. En fait, je reviens là-dessus parce que nous, mm-hmm. puisque moi, ça fait vraiment de longtemps que je suis dans ce pays-là, mm-hmm. De dire... Je trouve ça vraiment à distance lorsque j'entends parler de violence. Je ne parle pas... Si je pose la question pour la mm-hmm. violence, je sais qu'il y a beaucoup de violence actuellement exactement, en Haïti. Exactement, exactement. Mais le genre de violence dont vous me parlez, Néerlande, ce n'est pas ce genre de violence. C'est-à-dire que ça, c'est la violence conjugale. Mais la violence conjugale, elle a plusieurs formes. Mais pendant longtemps, j'ai pris mon temps. En tant que personne qui l'a vécu, j'aime préciser aux gens qu'il faut faire attention autour de vous. Quelqu'un peut vivre de la violence psychologique, la violence financière. Et là, vous vous dites, ben là, c'est juste que son mari contrôle son argent. Faire mmh. attention. Est-ce que cette personne est libre? Donc, pendant longtemps, ma mère a vécu non seulement la violence physique, mmh. mais aussi la violence financière, parce qu'elle était une commerçante. Et parler de violence physique, violence financière, mais il y a violence verbale aussi. Ben, la violence verbale, non, parce que mon beau-père ne parle pas beaucoup. Je dis ne parle pas, ma mère est morte, mais lui, il est encore vivant. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui va beaucoup agir par sa violence. Donc, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Et aujourd'hui encore, même après le décès de ma mère, j'ai l'impression que mes sœurs continuent de vivre cette fermeture, cette violence psychologique mmh, qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'échange d'amour qui est donné. Mais moi, je suis passée à autre chose parce que Miss Vidomax, c'était comme une façon pour ma tante qui ne vivait pas à la maison, mais qui voyait ce que je vivais et qui, malgré ces différentes interventions, n'arrivait pas à sortir ma mère de ce cercle-là. Parce que ma mère disait, ben, c'est le père de mes enfants. Vous savez, beaucoup de femmes vivent la violence puis ont peur de se retrouver seules. Oui, oui. Mais il faut dire que c'est un peu atténué dans ce pays-là. En Amérique du Nord, on travaille. Les femmes, en fait, et les hommes conscients travaillent dessus. Mm-hmm. Donc, c'est une violence qui est moindre. Elles reçoivent beaucoup, beaucoup d'aide, je dirais, mais n'empêche que chaque fois que j'entends dans les journaux qu'un homme est allé trop loin, je me dis que je vais surtout regarder, je sais que ça peut paraître discriminant, mais je vais regarder l'origine de cette personne, puis malheureusement, assez souvent, on va voir que c'est dans l'éducation de mm-hmm. cet homme-là. Comment est-ce que ce petit garçon mm-hmm. a été élevé? Est-ce que sa mère l'a élevé en enfant roi? Est-ce qu'il a vu son père donner des ordres, attendre qu'on lui serve sa nourriture?
comment on élève nos jeunes hommes va faire l'homme de demain et va faire le conjoint de demain, le papa de demain, et ça va juste continuer le cercle. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qu'on gagnerait à... Ben, ça peut être très long quand je parle de violence conjugale, pas parce que je suis une féministe à proprement parler, mais parce que je crois que c'est dans l'éducation et c'est très important. C'est pas pour faire des histoires, mais c'est en fait, si j'insiste là-dessus, on a commencé l'entrevue d'une façon, hein, l'accueil, je vous reçois, mais ça, c'est touchant. C'est-à-dire touchant. Vous avez demandé de parler de moi, donc ça me dérange pas de le dire. Je comprends. Non, au contraire, vous rendez service à la population haïtienne. La population haïtienne d'Haïti, qui, lorsqu'ils vont voir une telle émission, comme je vous dis que l'émission, n'est-ce pas, s'éparpille un peu partout, mais ça peut faire réfléchir les gens, peut-être même d'autres animateurs qui nous assistent, qui peuvent voir que, bon, nous devons travailler sur cette thématique, la violence en Haïti. Oui, parce que les gens, même là, actuellement, j'entends dans les médias des femmes artistes qui se font frapper par leur conjoint. On essaie de cacher ça. Annie Simon, écoute, Ginou Mon Désir de Télémax, où bon, il y a un qui aussi, sans m'avoir frappé son épouse à Dominicani, c'est encore, c'est dans toutes les sphères. Je crois qu'il n'y a pas une sphère qui est épargnée par la violence. Et comme je vous ai dit, la violence prend toute forme. Elle peut être à la fois financière, elle peut être psychologique. Quelqu'un qui est dans la même maison que vous et qui ne vous parle pas, même si vous avez une maison qui a 25 pièces et que vous vous dites plus même pas bonjour, que la table, elle est de 15 mètres, je peux vous dire que vous vivez de la violence psychologique. C'est pas parce que vous avez la plus belle Bentley du monde que vous êtes heureuse. C'est pas parce que vous vous asseyez puis votre mascara elle tombe quand vous êtes dans votre chambre que vous êtes plus heureuse que ça. Donc la violence prend beaucoup de formes, puis les gens ont tendance à ne voir que, oh, elle s'est fait frapper, elle a un œil au beurre noir. Elle peut n'avoir jamais été frappée. Je dis elle, mais je crois aussi que les hommes vivent parfois de la violence conjugale aussi. Elle peut jamais n'avoir été frappée de sa vie, mais 20-30 ans de mariage, c'est une personne malheureuse. Vous insistez sur le, n'est-ce pas, la violence conjugale, mais je suis en train de faire la vision de tout Haïti, que j'entends par exemple des jeunes filles aimées par un homme, et puis l'homme est jaloux, et puis l'homme la tue. Hein? Il n'y a pas un cas qui était vraiment triste, une jeune fille qui faisait ses études, qui est arrivée à bout pour terminer ses études, et on l'a trouvée dans un déchet de fatras, de poubelle. Donc, ça fait réfléchir au loin. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est la question aussi, Néerlande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à vraiment s'éduquer en matière de la non-violence au lieu de la violence? L'éducation, malheureusement, nos mères, et j'inclus la mienne qui est décédée, nos mères élèvent les enfants en disant « Toi, t'es faite pour passer la mop, toi, ben là, c'est ça. » Non. Il n'y a nulle part qui est écrit dans les gènes des humains que la fille est faite pour faire la vaisselle, faire sa chambre tous les matins et faire la chambre de son frère et de ça. Non. Il n'y a nulle part où il est écrit. J'ai passé toute ma vie à faire la lessive pour mon beau-père comme si j'étais une servante. Ça ne se fait pas. Il n'y a nulle part où il est écrit que les hommes sont créés pour régner et les femmes sont créé pour être dirigé. Je faisais un travail avec ma fille dernièrement, puis là, elle me dit, tu sais, maman, le pays où on est le plus heureux au monde, où il y a le moins de pauvreté, c'est un pays dirigé par une femme de moins de 35 ans. Et là, de regarder que l'enfant a écouté cette vidéo de 25 minutes et a ressorti cet élément-là. C'est une fille, et elle fait beaucoup de choses, et quand elle fait ces choses, je lui dis, vas-y, go, tu peux y arriver, il n'y a rien qui te limite.
Elle veut faire la vaisselle, fine. Elle veut cuisiner. Je lui apprends des choses, mais je ne les lui apprends pas parce qu'elle est une femme. Je lui apprends parce que tu es une humaine, tu as besoin de manger. Tu ne peux pas vivre dans la crasse et dans la saleté. Tu as besoin que ta chambre soit propre. Mais je ne t'apprends pas ça parce que le jour où tu vas te marier, ton mari sera fâché parce que tu ne sais pas cuisiner. Ben, le mari, il aurait dû être un humain élevé par un autre humain qui lui apprend que manger, c'est essentiel pour tout humain. On arrête ça là. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas féministe, je suis humaniste. Tu es un humain, je vis avec toi. Tu ne voudrais pas que je te frappe? Pourquoi tu me frappes? Veux-tu que je te frappe avec un verre? Non. Pourquoi? Ouais. Donc, c'est ça. Ce n'est pas une question de féministe. C'est juste une question de ce que tu voudrais pas, tu le fais pas à l'autre. Oui. En même temps, je peux dire, hein, pour faire de l'impartialité, hein, je pourrais dire que, en fait, pour les gens que je connais en Haïti, les femmes, parfois, la langue, n'est-ce pas, la langue est amère. Je dirais que c'est de la violence aussi. On a, exact. C'est de la violence verbale. C'est de la violence verbale et si tu, on ne doit pas élever les gens à accepter de la violence verbale. Deux sœurs qui se chamaillent et qui se disent des choses pas respectueuses, ben demain, cette sœur-là va épouser un homme et elle va dire, ben moi j'ai été élevée comme ça, ma mère me laissait parler comme ça à ma sœur ou à mon frère. Aujourd'hui, c'est une pratique que j'ai, il faut que je continue à extérioriser cette pratique-là. Malheureusement, ça va tomber sur son mari, puis ainsi de suite, ça va tomber sur ses enfants. Puis la chaîne, c'est que l'enfant, lui, il faut qu'il ait quelqu'un pour le rejeter. D'où ce que je reviens à moi, dans la cour d'école, je m'enfermais, je me cachais derrière un livre, dans un petit coin. Chaque fois que j'en parle, j'ai encore la cour de tracé devant mes yeux. Donc ça t'a laissé un peu de traumatisme. Définitivement, et ceci jusqu'à la seconde. Jusqu'à la seconde, je m'assois, c'est un niveau, je pense que c'est les niveaux équivalents de secondaire 3 ici. Puis je m'assois, j'ai mon livre. Et mon fameux spaghetti, le même plat. C'est ce que ma mère pouvait m'offrir, puis c'était correct. J'avais au moins un repas. Il y avait des enfants à Cité Soleil. Ma mère me disait tout le temps, mais il y a des enfants qui n'ont rien. Puis je le répète aussi à mes enfants aujourd'hui. Je mangeais, puis je m'assoyais. Et quand j'ai passé à Miss Vidéomax, ben voilà, ma vie a changé. Ma vie n'a pas changé réellement. Pour moi, j'étais toujours la personne qui aimait lire Bibliothèque Rose, qui aimait lire les livres d'Enid Blyton, qui aimait lire... j'aimais lire parce que c'est tout ce que j'avais comme ami. Et le pire, c'est que moi, je ne pouvais pas recevoir des livres pour mon anniversaire. Je donne des livres en cadeau à ma fille. Elle fait même des concours avec moi. Je vais lire 100 livres ce mois-ci. Alors, ici à Montréal, oui. Mais tandis que là-bas... Ma mère ne pouvait pas m'offrir des livres. Elle pouvait à peine payer la scolarité. D'ailleurs, au secondaire, c'est l'Église catholique qui a payé ma scolarité de la 6e jusqu'à la philo. Parce que ma mère n'avait pas les moyens. Puis mon beau-père avait décidé, une fois que tu es rendu en moyen 2... tu sais lire. C'est un peu cette logique qui existe encore en province. On envoie la fille à l'école s'il n'y a pas de garçon dans la maison, mais rendu à un certain moment, on va l'envoyer chez une tante ou une tatie. Et ça n'a pas changé. Non, il y a encore des restes avec, malheureusement. On va l'envoyer à Port-au-Prince. Donc, mon beau-père ne voulait pas que je continue mes études et ma mère n'avait pas les moyens. Il y avait un contrôle financier sur elle. Donc, elle est allée rendre service à l'Église catholique. Et moi-même, j'étais déjà impliquée dans l'Église, je dirigeais avec des enfants. Puis l'Église a dit, ben là, elle a beaucoup de talent, l'enfant. Le prêtre qui a été abordé avec ça a dit, moi, je vais payer sa scolarité. Donc, ma scolarité a été payée entièrement par l'Église. Je n'ai jamais honte de le dire. J'ai beaucoup de reconnaissance envers l'Église. Non, il n'y a pas de honte à le dire parce qu'effectivement... quand tu parles de cette église, tu parles de je vais me permettre de tutoyer un peu, je commence par m'habituer un peu, de l'Église catholique. Exact. C'est l'Église catholique qui a C'est vrai que aujourd'hui on les critique énormément. Écoute, moi, je ne veux pas être parmi ceux qui les critiquent parce que ce qu'on leur reproche, j'ai pas eu la chance ou la malchance de le vivre. Je ne peux pas non plus diminuer ce que les gens ont vécu, parce que je n'étais pas témoin. Je ne veux pas... Quand une victime, il est important. Quand quelqu'un te dit « j'ai vécu quelque chose », la première chose que tu peux lui rendre comme service, si tu n'es pas capable de lui dire « oh, ben moi aussi », ou juste lui dire « je suis désolée », tais-toi.
Parce que tu viens d'ajouter encore une couche à sa douleur, d'essayer de justifier, de valider ce que cette personne considère comme un bourreau peut avoir fait. Tant que tu n'as pas des preuves irréfutables, même ton propre enfant qui te dit son frère ou sa sœur lui a fait quelque chose, oui, tu connais tes deux enfants, mais tu vas essayer au moins de le dire, « Oh, déjà, je suis désolée, c'est pas normal. » Tu vas juste essayer d'être impartial déjà à la base. Peut-être qu'après, tu vas retirer le vrai du faux, mais de tout de suite prendre parti, c'est pas une bonne idée. Donc, moi-même, en étant, j'ai été catholique toute ma vie, en arrivant au Québec, l'Église catholique ici est un peu fade, donc j'ai arrêté d'être catholique juste pour ça, parce que dans ma tête, moi, l'essentiel, c'est de prier Dieu, c'est ce qui est important, c'est pas à quelle religion on est, donc c'est ça. Néanmoins, nous allons faire une pause. Mon Dieu, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Nous allons faire une pause et nous allons revenir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous vous suivez notre émission Rencontre FM avec Franz Mars. Donc nous recevons aujourd'hui Néerlande. À tout à l'heure. Tout, mesdames, messieurs, avec Néerlande Gaëtan Civil, c'est son nom. Donc, Néerlande, on va continuer sur la même veine, mais je voudrais savoir, parce que je le sais, je suis allé lire que tu as été en quelque sorte reine ça. On va parler de tout ça, mais je me suis vraiment, tu me permets, je me suis éternisé sur cette affaire de violence parce que j'ai voulu apporter ma part avec ma parole. C'est peu, cette parole-là. Mais apporter ma part aux animateurs qui sont en Haïti, ils sont légion, qui pourraient peut-être réfléchir et voir comment ils peuvent aider Haïti
n'est-ce pas, comment ils peuvent éduquer les auditeurs qu'ils ont, les téléspectateurs aussi là-bas. Parce que ce que tu tombes là-dessus, et c'est extraordinaire parce que tu réveilles quelque chose qu'on observe, et puis voilà. On se sent vraiment faible, on ne peut rien faire. Malheureusement, on peut faire quelque chose, mais c'est dans l'éducation, comme je le disais, c'est comment on a éduqué nos enfants, comment nos parents disent « ben là, c'est comme ça que mes grands-parents m'ont éduqué, c'est comme ça eux-mêmes, ils ont été éduqués ». On ne comprend pas qu'il faut briser ce cercle-là. Ce cercle-là, la manière dont on est élevé, il y a même certains proverbes dans nos cultures que je trouve qui nous poussent à rester dans la pauvreté. C'est des choses qui nous invitent à rester dans la résignation. On connaît beaucoup de proverbes et quand des fois, je sais qu'il y a des femmes qui vont aller vers leur mère ou leur grand-mère et leur dire « voilà ce qu'elles vivent, voilà ce qu'elles trouvent ». Oh ben, t'inquiète, ça passera. Et ce ça passera, ben, ça invite la femme à subir. On ne doit pas encourager les gens à subir la violence. Et c'est de comprendre, puisqu'il y a des jeunes femmes qui la subissent, cette violence, on peut voir que les grand-mères aussi, peut-être, elles se sont tues. N'en parle pas, mais elles ont vécu des choses. Ben oui, c'est sûr, parce que quand ta mère te dit « ça passera », c'est parce qu'elle-même, elle l'a vécu. Évidemment, un homme qui devient 60, 70, 80, il ne fera plus sa femme. Donc, à un moment donné, on voit un couple et on dit « ben là, mes grands-parents, mes parents, ben ils sont encore ensemble ». Mais personne ne sait ce qui s'est passé. Ben, des fois, on va le savoir, des fois, on ne le sait pas. Ben ça, c'est si la femme a survécu. Oui. Donc, moi, ce que je me dis, c'est l'éducation. Comment on élève nos enfants? On est au 21e siècle. Oui, il y a beaucoup de place à la télévision, à la violence et tout ça, mais on doit élever nos familles d'une façon, que on soit chrétien ou pas, mais à respecter l'autre. Le respect, c'est ça, justement. C'est ça. Ici, au Québec, ce que j'adore, c'est que l'intimidation est rarement acceptée. Et moi, j'apprends à mes enfants, je leur dis, tu ne seras pas intimidé. Tu ne seras pas intimidateur, mais tu ne seras pas témoin d'intimidation non plus. Parce que si tu es témoin, silencieux ou pas, tu es aussi l'intimidateur. Parce que c'est ce qui nous arrive. Ça fait cabri, pas ça fait mouton. Nous t'en débrouillons en Kailan, yo frappé, moun yap goumen, quitte madame Amouche kap goumen, demain yap réconcilié. Alors que ça peut arriver. Alors que ça capable de dégénérer. Ou permettez-moi, ou parce que nous avons des téléspectateurs qui parlent créole tout. Ça me rappelle pour me faire suite à soi, Abdia. Abdia, ok, pas occupé, on rentre, tandis que moun sa capable de subir la mort tout. Exact. Parce que la violence est mort. On voit nous capables de faire un mauvais coup et pour tuer. C'est ça. Puis, souvent ici, quelques monde qui réussit à sauver, c'est un bruit que mon voisin à côté attendait. Sans qu'on n'ait pas besoin de frapper pour lui pour dire la police. Ou lui-même, il a un réflexe que un bruit qu'il a fait en bas, il n'est pas normal. Que ce soit son petit monde qui a battu, parce que ça n'est pas normal. Que ce soit un grand monde qui a battu, il tend des monde après l'amour, il tend des monde après ses. Li pa konnen li rele la polis, la polis a deside. Malheureusement, nan kapa nou an Haiti, ben... Entre guillemets, polis... La polis souvent deside pou la li kote bourreau, parce que moi-même, ça arrivait souvent que même mes tantes, à moi, sont venues, elles ont porté plainte, elles ont cherché des amis policiers. Ils ont fait arrêter le monsieur à plusieurs reprises. Ouais. Le monsieur a été enfermé en prison pendant une semaine, mais... On l'a libéré après. Ma mère dit que c'était le mari et le père de son enfant. Donc, ce réflexe, c'est de l'éducation. L'éducation. Ça ne peut pas être changé par des amis. Ça ne peut pas être changé par ton entourage. C'est toi qui dois d'abord t'aimer et t'aimer en tant qu'humain et savoir qu'en tant qu'humain, je ne peux pas être bastonné. Je peux être bien. Je ne peux pas me faire critiquer pour un peu ou pour un rien. Je dois me faire aimer et respecter. Et je dois m'aimer d'abord. Donc, dès que je sens que je ne suis pas dans cette lignée-là, je suis dans une relation toxique, soit je m'en vais, soit on essaie de trouver des solutions. Tantôt, on parlait de thérapie. Malheureusement, en Haïti, c'est pas dans notre culture, c'est pas juste en Haïti, c'est vraiment dans les communautés immigrantes. Justement, mesdames et messieurs, lors de la pause, donc, on parlait de la thérapie, je lui posais la question à huis clos.
concernant la thérapie. Donc, justement. C'est ça, parce que pour moi, la thérapie ne fonctionne pas en Haïti. Mm-hmm. Parce que déjà, pour pouvoir payer un thérapeute, il faut avoir de l'argent. Les gens ont déjà de la difficulté à manger. Pourquoi est-ce qu'une femme reste avec un homme? C'est parce que cet homme a un petit peu de possibilités financières. Donc, elle dit, c'est ça qui nourrit mes enfants. Je préfère mourir moi-même, mais au moins mes enfants vont manger. Donc, elle sacrifie son corps, son âme, son sexe, tout ce qu'elle a pour que son enfant survive. Moi, ma mère disait, ben, c'est lui qui paye le toit qu'il y a sur ta tête. Donc, pour que j'aie un toit sur ma tête, elle était prête à se faire bastonner devant mes yeux sans penser que moi, un jour, ben, j'allais me sacrifier aussi pour des enfants que j'allais répéter. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est le risque que la chaîne continue. Quand un enfant te regarde et dit, ben là, elle a dit, c'est pour un toit sur la tête. Et là, moi, ben, peut-être, je vais dire, oh, c'est pour la voiture qu'il m'a offert. Une autre femme va dire, oh, ben, c'est parce que c'est lui qui paye mes cheveux. Ou je sais pas, n'importe quelle excuse va garder cette personne dans ce cercle vicieux. Pourtant, un toit sur ta tête ou peu importe, même si tu es dans la rue, tu mérites d'être une humaine bien traitée. Et tu peux aussi te sortir, ici on parle beaucoup d'empowerment, ma formation en tant qu'en psychoéducation, on parle d'empowerment, aider l'autre à comprendre qu'il y a une force en toi que tu n'es pas encore consciente. Mais le jour où tu vas te trouver, c'est comme une femme qui accouche, la première fois qu'elle accouche, elle ne sait pas qu'elle est capable de sortir un humain de son corps. Mais le corps va faire ce mouvement tout seul à un moment donné. Elle ne le savait pas quand elle est née, quand elle a eu 16 ans. Elle ne savait pas qu'un jour, il va y avoir un autre humain qui va sortir d'elle. Mais il y a cet empowerment-là, il faut juste aller le chercher. Tu peux aller trouver meilleur. Et je crois que moi aussi, c'est ce que j'ai fait. À 18 ans, je l'ai fait. Je suis partie de chez ma mère et j'ai dit... Écoute-moi, je veux sortir de ce cercle vicieux-là. Je veux devenir indépendante. Pas parce que je ne t'aime pas, pas parce que je ne veux pas prendre soin de toi, mais je sens que tu n'es pas capable de briser la chaîne. Je l'ai brisée. Après le concours Miss Idomax, quelques jours après mes 18 ans, j'ai brisé la chaîne, je suis partie. C'est sûr que ma mère l'a très mal pris, parce qu'en Haïti, tu laisses à la maison seulement quand un homme vient te marier. Mais de là, violence conjugale, c'est que tu t'es mariée après les 18 ans ou quoi? Non, pas du tout. Je suis partie. J'ai brisé la chaîne. J'ai arrêté le cercle et je me suis même juré de jamais dépendre d'un homme. D'un homme, d'accord. Donc, j'ai voulu tracer l'exemple pour mes sœurs. D'accord. Pour que mes sœurs sachent que non, ce n'est pas un homme qui va te sortir d'un problème. Tu peux te sortir toute seule. Et avec mes Idomax, ben moi, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir eu accès à des bourses pour étudier. Pendant ce temps que tu es devenue animatrice à Kiskeya? Exactement. Petite fille, ma mère m'emmenait à la radio avec Liliane. Là, on était à la rue Pavée, quand la rue Pavée était encore la rue Pavée, puis qu'on pouvait encore circuler à la rue Pavée. Ma mère m'emmenait là, puis je participais à une émission. J'allais chez le voisin à côté et j'appelais au téléphone. Je participais avec Marie-Monique Jean-Gilles, Reine Soleil et tout. Puis, pendant un certain temps, pendant mes Idomax, j'écoutais les samedis matins, piti youn, il n'y avait plus d'animateur. On passait la musique, puis c'était tout. Alors moi, avec mon uniforme à la philo, j'arrive là, je demande à parler à la directrice. Mais non, je demandais à parler à Stéphane Pierre-Paul, je me souviens. Puis là, la madame est comme étonnée. Elle dit, vous ne connaissez pas Stéphane? Je dis, non, je ne connais pas. OK. Je suis allée voir Stéphane, je lui ai dit, écoutez, c'était mon émission. J'étais enfant, je participais à cette émission. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il n'y a pas d'animateur. Je veux l'animer. Là, lui, il a éclaté de rire. Je me souviens, un rire très, très gentil. Il n'y avait rien de méchant là-dedans. Puis il a dit, écoute, je vais te présenter à Liliane. Si tu arrives à convaincre Liliane, vas-y. Elle est arrivée peut-être une heure ou deux, puis elle m'a écoutée. Elle a vu que réellement, j'écoutais l'émission parce que je présentais Reine Soleil, je parlais des gens, je parlais d'une fois que j'étais avec elle où elle faisait une activité pour les enfants sur le toit de la radio. Elle m'a dit, on va essayer avec toi. Elle m'a même proposé une émission de jeunes, édition jeunesse, que son fils qui vivait ici à un certain moment, Isaac, animait.
Donc, j'ai fait les deux émissions, édition jeunesse. J'étais avec d'autres jeunes aussi. Et j'ai animé avec un autre jeune, Piti Pitio. Je l'ai animé jusqu'après 12 janvier. Mm-hmm. Donc, le 12 janvier, où il y a eu le tremblement de terre en Haïti. J'ai pris de l'extension, j'ai animé des activités de carnaval. Même à un moment donné, Sonny Bastien, voulait me former pour que je travaille au département de marketing. Donc, c'est-à-dire que je suis devenue comme... J'avais quoi, 18 ans? Mm-hmm. Quand je suis arrivée à la radio, ils m'ont vraiment pris comme si j'étais leur enfant. J'ai été formée là-bas. Quitter Haïti, animatrice, et puis tu faisais des choses, tu faisais du théâtre, etc., mm-hmm. lecture. Dans ma tête, je ne pose pas cette question, mais je me suis dit, quelqu'un qui aime la lecture, sans doute, a un brin d'écriture quelque part. Oui. Oui, donc... J'écris... Pas directement. Je suis très, très conteuse. J'aime bien... Quand je suis arrivée ici au Québec, je suis allée étudier en psychoéducation. J'ai travaillé avec les jeunes, je travaillais avec les c'est moins de 18 ans. C'est bien de synthétiser pour nous de tout ce que tu c'est fais. Ça, parce donc, dit, ce qui fait que j'ai continué à travailler avec les enfants. Mm-hmm. Et ce que je fais, c'est que j'ai des comptes. D'accord. Compter aux enfants. J'aime le faire avec mes enfants. J'ai un livre qui est en préparation, mais c'est toujours concernant les enfants, parce que j'adore. Et ça, les enfants. C'est un primeur que tu nous donnes. Que oui, finalement, c'est... tout à fait. Comme parce que les études sont surtout en éducation spécialisée. Mm-hmm. Pourquoi ce choix particulièrement? Tout ce que je faisais, c'était vraiment autour de ça. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis vraiment penchée sur le théâtre. Mm-hmm. Donc, j'ai travaillé avec mon conjoint. On a la compagnie Théâtre Créole qui vient de fêter 10 ans. Mm-hmm. Quand je suis arrivée ici au Québec, je me suis lancée dans le domaine de la culture et de la communication. Mm-hmm. Et c'est ce que nous continuons de faire. Et nous pensons que 10 ans, c'est pour laisser les artistes noirs, les artistes afrodescendants, prendre leur place parce qu'ils ont du talent. J'ai remarqué qu'il n'y en a pas ici d'artistes, bon, pas beaucoup en tout cas dans le domaine du théâtre. Et on veut avoir plus d'années encore pour que la compagnie Théâtre Créole puisse faire la promotion des artistes, faire la promotion de l'art en général. Mm-hmm. Il faut dire que bien avant toi, il y avait des gens qui s'intéressaient au théâtre, mais les gens ont vieilli en quelque sorte. Et puis, on sent vraiment... Mais c'est important de faire la relève. Nous faisons un travail intergénérationnel à la compagnie Théâtre Créole. Donc, on va travailler avec des organismes pour former des jeunes. On va dans les écoles, on forme les enfants dans le domaine du théâtre pendant qu'on fait des représentations théâtrales. Donc, on ne fait pas juste faire du théâtre et puis un jour, on arrêtera ça là, mais on prépare la relève et on intègre la relève, quelles que soient leurs origines. Parce qu'on est, oui, la compagnie Théâtre Créole, mais on veut que tous les jeunes puissent, quelle que soit leur origine, maghrébine, afrodescendante ou québécoise, ben, qu'on puisse juste aimer le théâtre. C'est un art ouvert à tous. Donc, nous allons faire la pause et nous allons revenir dans quelques instants. Alors, mesdames et messieurs, nous faisons une pause et nous revenons dans quelques instants. Thank you.
De retour, mesdames et messieurs, avec Néerlande de Gaëtan Civil. Donc, nous sommes en train de parler de beaucoup de choses. Nous avions parlé de la violence, nous avons parlé aussi du théâtre. et là, si j'ai compris bien, pour le théâtre, tu es directrice de la troupe théâtrale. En fait, c'est la Compagnie Théâtre Créole. La Compagnie Théâtre Créole a été fondée en Haïti. Mm-hmm. Quand on parle, tantôt, je disais que ça fait 10 ans, on célèbre le mois d'août, Réginald Policar s'en vient ici pour clôturer les activités pour nos 10 ans. Mm-hmm. Mais c'est 10 ans ici, au Québec. D'accord. On a été fondée en 99, c'était juste une troupe de théâtre. Donc, représentation théâtrale, puis c'est tout. Moi, j'ai rejoint la troupe en 2005, après, justement, Misidomax. Mais quand on est arrivé ici au Québec, moi et mon conjoint, on a émigré ici, on a remarqué qu'il y a beaucoup de représentations théâtrales, mais très peu d'artistes noirs, même dans la production, même dans l'arrière-plan. Nulle part, les artistes noirs étaient très peu appréciés ou pour leur talent. Donc nous, on a décidé de continuer le travail qu'on faisait en Haïti. Mais on s'est dit, au-delà d'une troupe de théâtre, ce que vous disiez tantôt, les troupes de théâtre, ça meurt. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut recruter des gens. Nous, on a vraiment décidé que ce soit un organisme. La Compagnie Théâtre Créole était déjà en Haïti, donc on a lancé en 2012... la Compagnie Théâtre Créole ici au Québec, mais pas juste avec la mission de faire des spectacles de théâtre, mais de produire aussi d'autres artistes, d'aller chercher des artistes à l'international, ici au Québec, de les découvrir, de les faire ressortir, d'aller chercher, par exemple, nous, on va chercher l'argent, on va chercher et puis on va les mettre sur scène, les présenter. C'est sûr que les premières années étaient très difficiles pour nous, ça continue d'être difficile pour nous parce que la première barrière qu'il y a ici, c'est qu'on nous dit on n'est pas reconnu par nos pairs. Et quand j'explique que je pose cette question à la CALQ, la CAM ou la CAQ, qui sont les trois instances ici qui soutiennent la culture, ils disent non, les pairs ne vous connaissent pas, mais qui sont ces pairs? Ils sont blancs. C'est ça le danger. Donc, il faut qu'on arrive à se faire connaître. Et nous, c'est sûr que ces 10 premières années, on s'est dit, c'est pas grave, on va juste se faire connaître. Tranquillement, peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, on parlera plus de nous, non seulement en tant que compagnie de théâtre, mais en tant que troupe aussi, parce qu'on fait de l'autoproduction. On a 2 festivals par année. Le Festi Théâtre Créole qui rend hommage aux cultures créoles. Pendant une semaine, on invite des artistes de la communauté créole, nationale ou internationale, à faire des prestations. Ça commence toujours le 28 octobre. Et puis, on a le Festival Théâtre Communauté des Noirs. C'est vraiment honorer la communauté afro-descendante qui travaille dans le domaine. Et on a Absolument Femmes qui laisse de la place aux femmes, les femmes artistes, parce qu'on est vraiment axé avec les artistes pour que les artistes puissent parler de leurs difficultés. Et nous, on s'en va vers les personnes, les institutions concernées, puis on leur dit, voici ce que nous avons pu avoir comme information. Voici les besoins. D'accord. Donc, on représente les artistes de la communauté afro-descendante, si on veut. Donc, les artistes qui sont peut-être encore dans l'ombre, peintres, acteurs, artisans, si vous êtes dans l'ombre et que vous vous dites, tout seul, je sens que le combat est perdu d'avance, dites-vous que la Compagnie Théâtre Créole, on se met devant pour vous. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On a un site internet, compagnietheatrecreole.ca. On a nos pages Facebook, Twitter, Instagram. Et sinon, les gens peuvent nous rejoindre par téléphone aussi au 514-962-1513. Par courriel, compagnietheatrecreole@gmail.com. C'est toutes des façons pour nous contacter. Puis nous, on vend les artistes. On va les chercher, puis on les met en avant. Ça, c'est notre mission à nous. C'est très intéressant. Parce qu'il faut dire que, je me répète, mais il y a des gens qui ont beaucoup essayé. Jusqu'à présent encore, on peut, par exemple, je ne sais pas si tu entends parler de l'Alliance théâtrale, n'est-ce pas, avec Éternel, Victor Éternel. Donc, il y a aussi, comment il s'appelle, Valsin, n'est-ce pas, Evans Valsin. C'est des gens qui font aussi du théâtre. Malheureusement, récemment, il y avait une troupe de théâtre, je pense, qui disait, ils mettent la clé sous la porte, et ceci après beaucoup d'années. Ça, c'est le genre de choses qui nous-mêmes nous attristent. En même temps, nous, on a pris un autre chemin.
on est à la fois une troupe de théâtre. On fait de l'autoproduction, donc on met nos acteurs sur scène. Donc c'est important parce que je pense que c'est un des volets de la culture que nous avons besoin. Mais il y a peu de gens qui vont mettre juste des acteurs noirs sur scène. Par exemple, récemment, nous, on a joué En attendant Godot, mais avec une sauce afro-caribéenne. Il n'y a aucun producteur... J'y ai été et puis je l'ai aimé. Il n'y a aucun producteur québécois qui va accepter de mettre... Même s'il trouve que nous avons du talent, il ne voudra même pas nous auditionner. Il ne voudra pas nous auditionner. Il ne prendra pas ce risque-là. Mais nous, on est obligés de prendre ce risque-là parce que l'artiste qui est sur scène a besoin de nous. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on on va dans les écoles. Oui, oui. On change la façon de travailler. On n'est pas juste une troupe de théâtre qui fait des représentations théâtrales puis les gens s'en vont. On s'en va voir les écoles, on s'en va voir les enseignantes et on leur dit, écoutez, la meilleure façon de dire, d'être dans le vivre ensemble, c'est de montrer à ton enfant, ton élève, que celui qui a une autre couleur, qui a une autre culture, il n'est pas un ennemi. Il peut t'apporter des choses autant que toi tu lui apportes. J'ai découvert la poutine, je ne l'ai pas aimée, mais j'adore le pâté chinois. Quelqu'un qui mange mon griot, il va l'aimer. Ça se peut qu'il n'aime pas le riz collé, parce que moi non plus, je ne l'aime pas. Est-ce que finalement, si jamais, parce que j'ai vu aussi que tu avais posé ta candidature comme maire, auras-tu le temps, par exemple, de poursuivre toutes ces activités? Si jamais tu as, sans doute que tu as l'intention de pouvoir renouveler cette expérience. Pour le moment, je dirais que je suis très, très axée sur je complète une maîtrise, je l'ai presque complétée, puis je m'accentue beaucoup sur l'administration publique qui est devenue quelque chose que je me questionne beaucoup. Et puis avec la pandémie, j'ai découvert l'importance de travailler sur le numérique. Donc peut-être que je vais aller beaucoup plus dans la recherche, dans l'enseignement, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, j'ai des projets et peut-être terminer mon livre aussi parce que ça fait un an et demi que j'y travaille et que je ne l'ai pas encore sorti. Dans le milieu politique. Et si on vient vous chercher? Moi, on est venu me chercher pour la mairie. On est venu me chercher. On m'a questionné. On m'a dit où tu es dans la réflexion pour tes implications, parce que je suis quand même quelqu'un qui est impliqué socialement. J'adore ça, être impliqué socialement. J'étais impliquée en Haïti avec le VDH, donc j'ai naturellement continué le bénévolat ici. Je suis sur plusieurs conseils d'administration. Je ne sais pas si je dirais non tout de suite. Ça va dépendre de... De ton époux. Non, parce que c'est l'avantage qu'il y a entre nous. Je fais pas de procès. Non, pas du tout. C'est souvent, ça va être lui qui va me pousser à prendre des décisions que moi, je me dis non, je suis pas capable. Parce que lorsque j'ai dû diriger le Festi Théâtre Créole, il m'a dit oui, t'es capable. J'ai dit mais non, moi, diriger un festival, il y a plein d'artistes, tout, j'ai eu peur. Et il m'a dit mais non, t'es capable. Et quand on est venu me chercher en politique, j'ai dit la personne qui est en face de moi me fait peur. Il m'a dit ben non. Il n'y a personne qui doit te faire peur. Tu vas être là, ça va être une belle expérience, tu vas connaître les gens. Donc souvent, c'est lui qui me pousse à aller plus loin que ce que moi, je me sens capable. Mes enfants aussi le font. C'est vraiment des décisions familiales. Je vais faire la blague. Derrière toute femme, il y a un homme. Dans mon cas, c'est beaucoup ça, parce qu'il se montre rarement. Donc les gens vont... Quand on parle compagnie Théâtre Créole, les gens vont tout de suite l'associer à moi, alors que je ne suis pas cette... Je dis le fou qui a réussi à créer tout ça, cette folie que les gens voient, ces beautés que les gens voient sur scène ou en arrière, ce n'est pas moi. Oui. C'est vraiment pas moi. Je suis juste celle qu'il met en avant. En avant. Mais les créations, tout ça, c'est Ralph Civil. Mais tout le temps, les gens disent « Ah, mais c'est toi ». Mais non. C'est mon époux qui a mis en place la compagnie. Il est dans quel domaine, lui? Il est un metteur en scène de formation. Il a travaillé avec... Daniel Marcelin, il a été formé, mais il a travaillé beaucoup avec Cito Cavé, il a travaillé avec Martineau sur scène, donc il était un des acteurs de Jean-Claude Martineau, donc il y baigne depuis plus de près de 30 ans, plus de 30 ans, c'est ce qu'il fait, c'est sa vie. En arrivant ici au Québec, c'était très difficile pour lui parce qu'en Haïti, c'est ce qu'il faisait, il vivait de cela, il était un des directeurs du Théâtre National. Et en arrivant ici, on lui dit, on ne te connaît pas, malgré tes 30 ans d'expérience,
on te prendra pas dans le secteur. Donc, il faut aller faire le petit job de sécurité. Ce que tout le monde sait, c'est le... Bon, c'est ainsi. C'est ça. Oui, oui. Si je peux t'apprendre ici, c'est que... Devenir chauffeur de taxi. Oui, oui, oui. Parce que beaucoup de connaissances, même, et malheureusement, même des ministres, en fait, il y en a qui sont morts, mais même des ministres, des anciens ministres, oui. Ils ont connu, par exemple, comme la vente de hot dogs, si tu veux savoir. C'est ça. Même aux États-Unis, camionneurs, malheureusement. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de son métier, mais je crois que, heureusement que le gouvernement fédéral commence à le découvrir, c'est souvent de la discrimination. Parce que ces gens-là qu'on envoie faire le métier le plus bas pourraient enseigner à celui ou celle qui lui dit d'aller faire le métier le plus bas. Ouais. Donc, c'est souvent de la discrimination et j'espère qu'avec les années, nous les jeunes qui arrivons ici, allons nous battre pour dire « Non, excuse-moi, tu dis que je ne parle pas français, mais je parle Souvent de la discrimination pour les Noirs, mais par exemple, eux, ils ont connu ces choses-là aussi, comme je dis, vendeurs de hot dogs, et puis après, quelques temps, ils deviennent des ministres, des choses comme ça. C'est ça. Des camionneurs de camions basculent, des trucs comme ça, des 15 tonnes, et puis là, on les voit par la suite, ils sont devenus des ministres, des choses comme ça. Mais donc, en Amérique du Nord, c'est un peu ça, qui était aussi agent immobilier, comme, regarde, c'est pas ici, au Canada, mais on a Trump. Donald Trump, mais qui ont fait beaucoup d'argent aussi, hein, qui sont devenus millionnaires dans leur pays. Oui, parce que c'est la culture capitaliste. Oui, oui. Donc, nous, on élève nos enfants à « tu deviens enseignant, ça va être une carrière, tu vis ta vie comme ça, tu deviens retraité enseignant », tandis qu'eux autres, ils apprennent à l'enfant « ben, si ce métier, 5 ans plus tard, tu l'aimes plus, on change, on passe à autre chose, puis tu deviendras peut-être, je sais pas ». Mais ça, c'est une belle culture qui enlève un peu de conservatisme de chez les jeunes, mais qui est quand même intéressant parce que c'est une façon de dire « n'abandonne jamais tes rêves ». Très intéressant. Et puis parfois, et quoique moi j'ai été élevé majoritairement dans l'académisme, c'est-à-dire que c'est les études académiques, mais quand je fais un retour sur le passé, j'ai pu voir que ben on devait vraiment en Haïti aider les jeunes filles ou garçons d'aller, je ne sais pas, dans l'agriculture, planter un peu, c'est-à-dire apprendre d'autres choses autres que le livresque, l'académisme. Oui, parce que malheureusement, ben, ce que j'apprécie quand même au Québec, ce n'est pas fait pour tout le monde. Faire des études, un baccalauréat et une maîtrise, ce n'est pas tout le monde qui a vraiment envie de le faire, ni le courage, ni l'énergie pour le faire. Ça demande beaucoup d'énergie, mais ça demande surtout la volonté et les aptitudes. Et en Haïti, on nous force tous à faire des études. Du coup, ben, on est tous obligés d'étudier. Ben, c'est sûr que c'est important pour nous, ça nous aide, mais de plus en plus, on voit en Amérique du Nord, ben, le jeune est tout de suite guidé vers le professionnel s'il ne veut pas aller au baccalauréat. Puis, des fois, on rencontre une infirmière, elle n'a pas fait un bac, mais elle est quand même notre infirmière, elle peut nous donner notre soin, elle nous aide, c'est correct aussi. Oui. Et on a besoin d'un préposé aux bénéficiaires dans le système de la santé, autant qu'on a besoin de la personne qui va cuisiner à la cafétéria. Donc, comme vous disiez, il n'y a pas de saut métier. Et cette logique-là, c'est ça qui est intéressant avec le système capitalisme. On a tous ceux qui sont importants pour la chaîne et on n'apprend pas « Ah ben toi, tu dois tout de suite passer par l'école ». Parce qu'après, ben, si tu as passé par l'école, tu as passé 4-5 ans à étudier, à faire un bac, ben, c'est sûr que tu vas trouver ça assez dénigrant que celui qui a juste passé 2 ans au cégep, ben, il gagne plus que toi. Oui, oui. Donc, on doit, comme toujours dans l'éducation, surtout nous, les gens des communautés, des immigrantes, d'accepter que tous nos enfants ne voudront pas aller au baccalauréat ou à la maîtrise ou au doctorat. Et qu'ils ont le droit, à un certain moment, de faire leur cheminement. Ce que moi, j'ai fait. Et oui, mon cheminement m'a peut-être amené à la maîtrise aujourd'hui, mais je me dis, peut-être si j'étais arrivée ici au Québec plus jeune, ben, peut-être que mon cheminement m'aurait juste amené à être éducatrice spécialisée pendant un certain temps, parce que j'ai vraiment apprécié cette partie de ma vie, cette expérience de ma vie. Je n'ai pas insisté parce qu'il y a tellement de choses, parce que ce serait de savoir le volet éducatrice spécialisée, comment tu as vécu ça, comment est-ce que c'est quelque chose que tu as quand même aimé. C'était un choc culturel. C'était un choc culturel. Oui, parce que je suis arrivée ici, mais les enfants sont éduqués d'une façon en Haïti. Puis moi, ben,
J'ai dû travailler avec des jeunes, en des jeunes qui sont en milieu carcéral. Et là, tu les vois, comment ils parlent aux adultes, comment ils parlent à leurs parents. C'était un choc, pour moi. Et j'ai dû apprendre à accepter que l'éducation que j'ai reçue en Haïti, ce respect inconditionnel que j'ai envers un aîné, j'ai dû apprendre à dire, c'est pas cloué dans le béton. Donc, un enfant peut, je l'ai vécu à l'université aussi, voir un jeune qui dit à son enseignant, ben non, je suis pas d'accord, vous m'avez donné un point, je suis pas d'accord. Non, c'est le côté de la démocratie ici, on se permet de dire, on peut parler avec l'adulte. C'est ça. Donc, il y a le d'un côté, on parlait de respect pour le cas des Haïtiens, mais on retrouve ici aussi que la personne peut être irrévérencieux. C'est ça. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a des besoins. Il ne faut pas tout prendre et tout laisser de côté. Tout n'est pas noir ou blanc. Et c'est toujours intéressant, même dans l'éducation des enfants. Je ne vais pas rejeter la culture québécoise, comment j'élève mes enfants. Mon enfant qui me parle et qui me dit « Ah non, maman, tu as fait une erreur. » Je ne veux pas lui dire « Mais moi, à mon âge, je ne corrigeais pas ma mère. » Oui, je ne corrigeais pas ma mère, mais aujourd'hui, cet enfant me dit que je viens de faire une faute de grammaire. Et ça, ça m'aide. C'est ça. C'est bon. Donc, je peux prendre, c'est sûr que je ne vais pas laisser mon enfant devenir irrévérencieux, je lui apprends le respect, mais je lui apprends aussi que le respect ne veut pas dire que tu deviens un esclave de la personne. De la personne, oui. Et ça, c'est ce dosage-là. Qu'il faut faire. Que moi-même, en tant que femme ayant immigré ici, sachant que mon enfant s'identifie en tant que Canadienne, je ne vais pas lui dire « je t'élève comme une Haïtienne », je lui apprends à faire ce mélange et à s'accepter avec ces deux cultures et en être fière. Les projets, Néerland. Les projets, c'est que je continue de faire briller la compagnie Théâtre Créole. C'est pour le moment, c'est ce que je veux continuer à faire. Je veux vraiment que les artistes puissent être mis de l'avant. Et c'est un travail de longue haleine que je fais avec mon mari, avec toute l'équipe qui est derrière nous, le conseil d'administration, nos vingtaines de bénévoles, des partenaires clés que nous avons. Et puis, évidemment, j'aime ça étudier, donc j'aime ça continuer des études. Et j'espère que les gens vont pouvoir venir encourager la compagnie Théâtre Créole. Informez-vous de ce que nous faisons sur nos sites, les sites Internet, Eventbrite, nos pages Facebook. Regardez ce que nous avons comme activité. Nous avons des activités pour des enfants, des aînés, pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. J'apprécie énormément ta visite. Merci. J'espère que nous t'avons bien accueilli à THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à notre image. Réponds-moi. Oh mon Dieu, je me sens pressurée. Non, mais vraiment, merci déjà, d'être venu. Merci de me recevoir. Merci parce que déjà de trouver quelqu'un qui fait la démarche et qui veut que la communauté puisse savoir ce que nous faisons. Nous apprécions chaque fois qu'un animateur, un présentateur, une station de télé ou de radio nous fait des invitations pour qu'on puisse parler de ce que nous faisons comme travail. On apprécie. Merci beaucoup. Donc, autour de nous, il faut te dire, Néerland, nous avons à la réalisation Franz Saint-Louis. L'équipe, il s'agit de Peterson Chéri, il s'agit de Pierre... Wilson Pierre, et puis nous avons aussi Yannick Joseph comme recherchiste. Alors voilà, donc c'était Franz Mars, mesdames et messieurs, à l'animation. Donc nous vous disons encore bonne journée, bon dimanche, à la prochaine.